What's up guys, what's up YouTube, re-bienvenue sur sa chaîne pour un autre unboxing de Fashion Dolls. Shout out à mes petites boucles d'oreilles de Sailor Moon aujourd'hui parce que I just love them, okay? Je me suis mis un petit cheveu funky fresh fluo aujourd'hui pour la vidéo parce que comme vous pouvez voir en background, j'ai décidé de me faire mon tout dernier unboxing, ben mon tout dernier, peut-être pas mon dernier, mais mon unboxing de ma dernière OMG Lol Surprise Blacklight, guys, qui est Miss Groovy Baby, ok. Alors guys, juste avant de faire ça, je vous invite à love, thumbs up, subscribe, activer la petite cloche pour être certain de jamais manquer lorsque je pose une nouvelle vidéo. Je vous invite à me suivre, à me show some support and some love via Instagram, SachaDolls2020 ou SachaBagaz. Alors gang, si vous le voulez bien, on part la vidéo live parce que ça fait vraiment longtemps, ça fait plusieurs semaines que j'ai cette petite merveille dans mon stock, puis j'ai hâte de la laisser respirer. Woo! Perfect. Oh my god. Elle est tellement belle. Ah! Oh my god. Guys, is that for real? For real? Elle est tellement belle. We're gonna start that right now. Bon, on va commencer par enlever son petit support en arrière. Ici, qui est retenu par des mots. Ils mettent tellement de petits élastiques dans leurs choses. Okay, donc, le string ici. La petite pastille ici, qui en dessous contient la petite palette pour tenir le petit, oops, le petit pot, ainsi que la pince pour faire le support. Donc, ils ont tous aussi le petit support, ils ont le logo OMG dessus. Donc, comment on installe ça? Il y a un petit côté surélevé qui va dans cette section-là ici. Alors, comme ça, guys. Ensuite de ça, le petit levier ici, c'est pour arrêter le support de la petite boîte, qu'on met la brosse et la lumière blacklight et la petite pince. Donc voilà, ça c'est la façon de monter le support OMG. Ensuite de ça, je retire le petit autocollant de la poupée. Suite de ça, on retire la petite brosse, également identifiée OMG à l'arrière. Ensuite de ça, guys, le petit pot ici, renfermant généralement la petite lumière blacklight ainsi que quelques accessoires. Il y a un poème à l'intérieur du petit truc. Glow up and let her light shine. Life is a wonder with no straight liner. Okay. Groovy Baby est poète. Est poète. On a ici la petite lumière black light qu'on doit retirer le petit plat. Papier ici, plastique, whatever, pour pouvoir ouvrir la petite lumière. Toutes ces poupées-là viennent avec un petit black light. Ici, on a ces lunettes over fashion, guys. So freaking cute.
et ses petites boucles d'oreilles vraiment psychédéliques. Guys, I just love, I'm in love. C'est genre un peu comme la punk, rock, whatever, de la gang. Ensuite de ça, ici, on a la housse qui renferme généralement leur manteau. Celui-là, contrairement aux autres, il a l'air quand même long. Wow! Guys, il est tellement bien détaillé aussi. Les petits boutons sur les poches. Les faux boutons ici. Ok. J'aime vraiment ce petit manteau-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment très cute. I try, but I can't. Oh, girl! Elle a de la statique, mon amie. Ok, vraiment le petit look complet. Très nice. Je vais le remettre ses petites mains. J'en ai perdu une. Ah non, oui, toujours après. Parfait. Ici. Je vais lui mettre ses petites boucles d'oreilles. Elle a énormément de gel dans le toupette. Ça, de toute façon, c'est pas grave. Vous savez que vous pouvez laver leurs cheveux. Un premier shampoing à l'eau froide, ensuite un shampoing à l'eau chaude. Et vous retirez tout le gel dans les cheveux de vos poupées. Dernière touche, guys. On y va avec ses petites lunettes. Vraiment, elle est trop cute. Vraiment, j'adore. Groovy baby. She got some groove. She got some groove. Guys, elle est ben trop mince. Et là, j'espère que vous êtes prêts pour l'ultime test Blacklight. Okay, guys. I don't know if you guys are ready or not. But I am. Voici, guys. A little groovy baby. Jesus Christ. On voit pas les spirales dans ses yeux. Ah oui, on les voit. On les voit pas beaucoup, mais on les voit quand même. Les petites spirales ici, guys. Ok, elle est très... son cheveu est très black. Elle est très blacklight. Elle est très belle aussi. Très, 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 très belle. Je suis super contente de l'avoir à la maison, de l'avoir enfin déballé. Ses cheveux sont absolument magnifiques. Genre, Cruella de Vil Inspire. C'est genre, mettons que ça serait la petite fille fashion de Cruella de Vil. OK? Genre, ça me donne cette vibe-là un peu. Alors, guys... J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que je vous inspire à peut-être commencer une nouvelle collection qui vous passionne. Pour ma part, c'est les fashion dolls. I'm always and forever gonna be a fashion doll lover and a fashion doll collector. So, yes, guys. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de... Oh, on match en plus. Yes, queen! N'oubliez pas de thumbs up, subscribe, activer la petite cloche, suivez-moi sur Instagram, SachaDolls2020 ou SachaBagaz. Et sur ce, guys, je vous dis à la prochaine. Bye!